Désiré, monsieur. Je voudrais parler au général Epanchin. Oh, il ne peut recevoir tout le monde. Je suis son parent. Vraiment? Oui, le prince Mishkin. Vous êtes le prince Mishkin? En personne? En personne. Quelle curieuse expression. Je reviens à Saint-Pétersbourg après un long séjour en Suisse. Si l'heure ne convient pas aux visites de famille, dites-le-moi franchement, je reviendrai. Oh, prince, daignez attendre un instant. Le général est en conférence. Mon cher Galnia, la chance qui vous est offerte ne se présentera pas deux fois. Je dois tenir compte de ma famille. Et quand j'annoncerai qui je vais épouser... Nastasia est assez belle pour mériter votre choix. Célance, on sait trop qui a vécu avec elle et dans quel luxe. Qui l'a aimée sans vouloir l'épouser. Il désire aujourd'hui se séparer d'elle. Pas tant de périphrases, je vous en prie. Pour réparer mes torts, j'offre à Anastasia 75 000 roubles de dot. Consentez-vous à l'épouser avec son passé et cette fortune? Je ne suis pas sûr de son consentement. Elle vous a remis elle-même sa photographie. En réservant sa réponse. Jusqu'à ce soir. Sans doute, elle est vexée de cette rupture. Humiliée même que son... Mon amant? Oui. Que son ancien amant aspire à devenir mon gendre. Vous voyez, mon cher Gagnat, nous ne vous cachons rien. Mais qu'elle fasse en même temps un mariage honorable, voilà une solution dont elle comprendra tous les avantages. Ce soir, elle acceptera. Mais... vous, voyons, et qu'est-ce qui vous fait hésiter? Toujours votre mère. N'est-il pas possible d'augmenter la dot? Non. Je veux bien être élégant, mais dans certaines limites. D'ailleurs, mon cher, ma fortune n'est plus seulement la mienne, mais bientôt celle de votre fille. Vous comprendrez mes scrupules? Il vous honore. Mon cher Gagnat, il faut répondre. C'est oui ou c'est non? Excellence, j'accepte. Deux et deux font quatre. L'affaire est conclue. Merci, mon cher ami, de votre intervention. Excusez-moi, je suis attendu. Je vous conduis. Alors, content, mon cher. On va le délivrer. Tant qu'elle n'aura pas dit oui. Ce soir, faites-moi confiance. Vous êtes vraiment le prince Mishkin. La chose paraît décidément bien difficile à croire. Mais c'est ainsi. Et je voulais... Entrez donc, je vous en prie. Pourquoi, je n'en sais rien, mais je vous croyais mort. J'ai été malade très longtemps. Une sorte de lymphatisme, si je me souviens bien. Le terme est aimable. En vérité, mon intelligence a été longue à s'éveiller. Mais le médecin prétend qu'il m'a guéri. Je me souviens d'une lettre étrange que vous nous aviez écrite. Impossible de savoir ce que vous désiriez. Pour ma femme, vous aviez besoin d'argent. Pour mes filles, vous aviez besoin d'affection. Moi, je serai franc. J'aime ce qui est précis. Deux et deux font quatre. C'est ma devise. Et j'en viens au fait. Tant pour les visiteurs que pour les domestiques, il m'est désagréable de rencontrer dans mon antichambre un parent de ma femme... dans un pareil accoutrement. Je suis venu de Lausanne à Saint-Pétersbourg directement. Je ne connais plus personne et ma première pensée... C'est trop gentil. Mais j'ai trois filles à marier. Et c'est une charge énorme. Enfin, deux et deux font quatre. Vous n'avez plus d'argent, plus de situation. Qu'espérez-vous de moi? Rien. Prince, asseyez-vous. Une dragée. Merci beaucoup. Et dites-moi vos projets amicalement. Je n'en ai pas.
Enfin, comment comptez-vous vivre en Russie? Je n'y ai pas encore songé. Je dois rendre visite au notaire qui s'occupe des affaires de mon père. Mais votre père est mort ruiné. Votre insouciance m'inquiète. Quel âge avez-vous? 27 ans. Ouf! Je vous croyais plus jeune. Oui, mon médecin prétend que je garderai toujours la naïveté d'un enfant. N'est-ce pas une grande chance? Oui, peut-être. Mais qu'à mon avis... Enfin, ça vous regarde. Savez-vous au moins où vous logerez ce soir? Aucune idée. Tenez, prince, permettez-moi de vous avancer ces 25 roubles. Merci. Gagnin! Excellence. Approchez, s'il vous plaît. Je vous présente mon secrétaire, le prince Mishkin. Dites-moi, votre mère loue des chambres dans son appartement? Oui, en effet. Oui, eh bien, soyez gentil et installez le prince chez vous, en attendant que sa situation s'améliore. Mon cher, je doute fort que la générale ait le temps de vous recevoir. Elle s'apprête à partir pour la campagne. Mais surtout, ne revenez plus me voir avec ses guettes. Pardonnez-moi ma franchise, mais 2 et 2 francs 4, je suis un militaire. Le prince, on m'attend pour déjeuner. Je vous souhaite bonne chance. Vous avez des bagages à faire prendre à la gare? Non, tous mes trésors tiennent dans mon sac à main. Vraiment? Oui. Vous arrivez sans rien? Et sans projet? Aucun. Et vous n'avez pas peur? Peur de quoi? La Russie est mon pays, je me retrouve chez moi. Oui, ma tête n'était pas très solide. Pourtant, j'ai lu quelques livres où l'on parlait de toutes les réformes qui se préparent. C'était si pénible pour moi de me sentir à l'écart, inutile. N'a-t-on pas besoin de toutes les bonnes volontés? Eh bien, je reviens pour aider, pour servir. Si vous brûlez de devenir fonctionnaire, le général pourra vous aider. Il connaît très bien le directeur des douanes. Vous avez une bonne écriture? Excellente. Ce qui me passionne, voyez-vous, ce sont les grands problèmes. Oui, et surtout la justice. Greffier, ce n'est pas impossible. Mais pour un prince, 40 roubles par mois... Vous êtes gentil de me parler avec sympathie. Nous deviendrons peut-être amis. Si je peux vous donner des conseils, ce sera toujours avec plaisir. Le général aussi, soyez-en sûr. Il marche aussi gentiment. Sa femme est-elle aussi affectueuse? C'est une personne agitée, superficielle. Ainsi, elle aime ses filles, mais elle adore ses chiens. Bobby, doucement. Avec des guêtres. En pèlerine. Oh, c'est amusant. Je suis sûre qu'il est mon cousin. Mais je ne sais plus comment. Au moins, de sa folie, il ne lui reste rien. Il m'a paru très calme. Méfiez-vous, les fous sont dangereux. Moi, il m'amuse. J'en ai vu un, garçon d'écurie, qui se croyait le maréchal Souvorov. Il est ruiné, mais il est prince. Et j'ai dansé avec son oncle, Ivan Grigorievitch Mitchkin, qui était amoureux de moi. Et vous l'avez invité pour quel jour? Oh, ma chère amie, il est imprésentable. Que c'est drôle. Et que c'est triste. Mais je vous retrouve bien là, conventionnel et mesquin. Ma chère amie, devant les enfants, je vous ai déjà demandé. Oh, que vous êtes susceptible. Est-ce que je me vexe, moi, de votre dédain pour mon parent, qui est un prince authentique? Vous le renvoyez. Et si je veux le voir, moi? Aglaé, quand on est fiancé, on se tient droite. Vous lui avez remis au moins quelques secours. 200 roubles. Ah, toujours économe. Et quelle est son adresse? Ma chère amie, j'ai cru bien faire en vous délivrant d'une corvée. Je l'ai confié à Gagna. Mais peut-être est-il encore dans mon bureau. Aglaé, va voir si le prince est là. Et amène-nous-le. Avec sa pèlerine et ses guêtres. Vous êtes seul? Prince, maman serait heureuse de vous rencontrer. Je suis la plus jeune de ses filles, Aglaé. D'où vient ce portrait? Où l'avez-vous trouvé? Sur la table. Ce visage m'attirait tellement. Le visage d'une femme perdue. Je la déteste. Elle a beaucoup souffert. Vous connaissez Nastassia Philippovna? Non. Alors qu'en savez-vous? Je vous vois pour la première fois et je vous devine heureuse. Pour elle, c'est le contraire. Posez ce portrait, je vous en prie. Cette femme ne mérite aucun intérêt. Aucune compassion. Si elle est bonne, tout peut encore être sauvé. Que voulez-vous dire? Je ne sais pas. Souvent devant des inconnus qu'ils aperçoivent pour la première fois, les enfants ont un cri qui épouvante les grandes personnes. Ils raisonnent mal, mais ils sentent juste. Je suis un peu comme eux. Je ne vous ai pas déplu, j'espère. Vous m'étonnez. Vous avez des yeux d'une couleur qui me touche. Prince, maman nous attend.
Vous emmenez le prince? Pour déjeuner. Votre père a eu la bonté de m'annoncer vos fiançailles. Je veux être le premier à vous féliciter. Merci, Gagnard. Prince, vous me retrouverez ici. Je vous conduirai à la maison. Je tiens à vous présenter moi-même à ma mère et à ma sœur. Sophie, ne sois pas trop sévère. Tu reconnais qu'il hésite, c'est qu'il n'est pas perdu. Et Gagnard est un bon fils. C'est un faible. Aimer ses parents, c'est une chose, c'en est une autre de les respecter. Cette Nastassia est donc tombée si bas. Une orgueilleuse qui prend plaisir à braver l'opinion. Un soir, je l'ai vue au théâtre. Dans quel luxe de toilette et de bijoux. Jusqu'à sa manière de croquer des bonbons était une provocation. J'ai peur d'avoir fait le col un peu trop large. Tu as toutes les vertus, Sophie. Mais il te manque de savoir pardonner à ceux qui en ont moins que toi. J'ai l'âge, Anastasia. Je ne suis pas laide. Je passe ma vie à faire des lits, balayer, passer le linge. Et pour ma récompense, on me donnerait une sœur qui est une prostituée. Sophie! Chut. Gagnard. Ce n'est pas très élégant, je vous ai prévenu. Mais ma sœur tient à la propreté. Oui, c'est une manie chez elle. Votre chambre est là. Ah, Sophie, je te présente le prince Mishkin, un nouveau locataire. Ma sœur. Te dérange pas, va, frotte, astique. J'installe le prince moi-même. Si vous voulez bien entrer. S'il vous plaît. J'espère que la chambre vous plaira. Elle est claire. Avec une vue très agréable. Vos petites affaires tiendront facilement dans l'armoire. Pourquoi plaisantez-vous votre sœur sur la peine qu'elle se donne? Par taquinerie, elle a l'habitude. Mais vous la blessez chaque fois? Qu'en savez-vous? J'ai senti. Ma mère, en revanche, c'est la bonté même. C'est à elle que vous voudrez bien régler votre petit loyer. Pas à mon père, qui est négligent. Je vous avertis qu'il est bavard, racontant souvent des histoires qui ne sont pas toujours vraies. S'il vous demande de lui prêter de l'argent, faites-moi plaisir en refusant gentiment. Oui, oui. Oui. Il boit, vous comprenez? Aucune avance, sous aucun prétexte. Ça vient de Suisse? C'est un cadeau que m'ont fait des enfants. Les seuls amis que j'avais là-bas. Chaque fois que j'entends le coucou, j'entends leur voix. Je voudrais le suspendre au mur. Mais votre guise, vous êtes chez vous. Merci. Je vais vous faire apporter un marteau et un crochet. Entrez. Général Ivolgin, en retraite et dans l'infortune. Prince, voici le marteau demandé. Oh, mais il ne fallait pas vous déranger. C'est un plaisir pour moi de rendre service au fils d'un vieil ami. Ah, vous connaissiez mon père? Il a servi dans le 13e hussard de Narva. Parfaitement, j'allais vous le dire. André et moi, nous étions inséparables. Mon père s'appelait Léon. Léon, ah oui, Léon, naturellement. Léon par-ci, Léon par-là, toujours Léon. Pendant la guerre de Crimée, j'ai eu le bonheur de lui sauver la vie deux fois. C'est pour suspendre le coucou? Oui. Où voulez-vous? Là, pour que je puisse le voir de mon lit. Laissez-moi faire, c'est très facile. Merci. Est-ce que Gagnard vous a prévenu? Prévenu? Qu'en aucun cas, il ne fallait me prêter de l'argent. Je connais mon point faible et ça ne me vexe pas. Mais en vérité, je suis trop bon. Enfin, tenez-vous le pour dit, et même si je vous en supplie, refusez-moi 10 copecs. À cette hauteur. Merci. J'ai bien connu votre mère aussi. Ah oui? André et moi, Léon et moi, nous l'aimions tous les deux. Quelle tragédie! Nous avons décidé que l'un de nous deux était trop. Duel au sabre, duel à mort, les yeux bandés. Les témoins haletaient d'émotion. Et nous sommes tombés dans les bras de l'un de l'autre. Là, comme ça, le clou tiendra. L'amitié de deux frères d'armes fut plus forte que l'amour. Voulez-vous me passer le coucou? Voilà. Merci. Est-ce qu'il chante? Sûr, il chante. Là. Ça meuble une chambre. Et ça la remplit d'une petite présence amicale. C'est bien.
Oui, c'est bien. Prince, si je vous disais que je connais une veuve, mère de 4 enfants, qui manque de pain, et que je veux secourir, il ne faudrait pas me croire. Mais au soldat qui a sauvé 4 fois la vie à votre père, refuserez-vous quelques roubles pour qu'il s'achète un coucou pareil? Voilà. 25 roubles? Oh, prince, je ne sais comment vous exprimer. Si un objet aussi simple peut vous attendrir aux larmes, je crois que nous deviendrons amis. Mais on se querelle chez vous? Encore? Toujours Gagna et sa sœur. Il me déchire le cœur. Mais je n'interviens plus. Et quand il crie, je m'enferme dans ma chambre. Faites comme moi. Restez sourd et aveugle. La sonnette ne marche pas. Qu'est-ce que tu attends pour la raccommoder? Tu pourrais m'aider. Tu dors? Tu rêves debout? Qu'est-ce qu'on attend pour te flanquer à la porte? Excusez-moi, Anastasia Philippovna. Tu me connais? Comment me connais-tu? D'ailleurs, ça m'est égal. Va m'annoncer. Si vous y tenez... Quelle réponse? Si tu étais à mon service, je... S'il te plaît, tu entends? Mais d'où viennent ces cris? On se dispute à cause de vous. À cause de moi? Tais-toi! Fous-moi la paix! Je t'ai prévenu! Si tu l'amènes ici, je m'en irai! Par méchanceté, hein? Par sottise! Depuis des mois, je ne peux plus te supporter. Est-ce que je suis parti pour ça? Eh bien, va-t'en! Qui te retient? Maman! Elle seule! Gagna! Quel hypocrite! Tu l'aimes et tu l'obliges à choisir entre son fils et sa fille. Sophie! Tu l'aimes et qui veux-tu amener ici, installer à notre table? Anastasia Philippovna. Cher Gagna, pourquoi prenez-vous cet air de chien battu? Présentez-moi, voyons. Ma mère. Je sais votre bonté, madame, votre indulgence. Qu'elle plaide en ma faveur. Soyez la bienvenue. Merci, madame. Ma sœur. Gagna m'a dit que vous aimez la musique. Moi, je l'adore. Nous irons au concert ensemble quand vous voudrez. Je déteste la musique. Si vous désirez m'offenser, voilà qui est fait. Tant mieux, maintenant vous pouvez sourire. Madame, nous avons tous entendu beaucoup parler les uns des autres. Ai-je eu tort en provoquant cette rencontre pour que nous nous connaissions vraiment? Votre franchise me plaît. Mais vous auriez dû me prévenir. Pour laisser à chacun le temps de se composer une attitude? Non, nous savons tous ce qui se prépare. Jusqu'au domestique qui m'a ouvert la porte avec des yeux épouvantés. C'est notre nouveau locataire, le prince Mishkin. Vous êtes méprise sur sa complaisance. Prince, pardonnez-moi mon insolence. Et d'où me connaissez-vous? Ce matin, j'ai aperçu votre photographie. Vous auriez dû me dire qui vous étiez. Je n'aurais pas pu dire un mot. C'est trop de timidité. Non. En découvrant sur votre visage vivant ce même signe de désespoir... Quoi? Je suis une femme désespérée, moi? Oui, votre quoi même. Votre rire m'en donne la certitude. Excusez le prince, il a plus de sensibilité que de jugement. Vos locataires doivent être pour vous une grande source de distraction. De fatigue, surtout. Mais pouvez-vous comprendre les difficultés de ceux qui ont à gagner leur vie? C'est le but de ma visite. Je voulais savoir dans quel cadre vit Gagna, parmi quels gens? Des gens honnêtes. Des gens aimables, surtout. Oui, aimables, j'en conviens, c'est plutôt votre affaire. Sophie, ta perfidie m'agace. Et je t'avertis. Tu l'as déjà fait, et j'étais prévenu. Et c'est pas ma faute si cette provocation. Assez! Je suis chez moi. Et tant que je serai chez moi. Sophie, prends garde. Mes enfants, je vous en prie. Un si beau jour. Permettez-moi de vous présenter mes hommages. Avec les compliments d'un père qui se réjouit d'avoir bientôt une fille de plus à chérir. Vous êtes gentil.
Sachez que quand mon père a bu, il dit n'importe quoi. Sophie, ton langage me fait beaucoup de peine. Vois comme elle est belle et distinguée. Je tiens pour une joie, pour une récompense du ciel. Père, je t'en prie, va te reposer. Voilà. Ils veulent toujours me faire taire. Moi qui ai dansé la mazurka avec l'impératrice. Nicolas. Ils m'en veulent tous, depuis que j'ai perdu mon immense fortune. Et pourtant, j'étais ainsi, avant de me résoudre à vendre mes châteaux, mes lacs, mes chasses à cour, pour venir en aide aux veuves de mes anciens soldats. Parfaitement. Et si je suis devenu hôtelier la petite semaine... Père, je t'en supplie. J'ai deviné pourquoi elle est venue. Ne te donne pas un spectacle et va te coucher. Elle m'écoute avec sympathie. Elle se moque de toi. Je lis dans son cœur. Elle est heureuse que tout soit laid chez nous et que nous soyons ridicules. C'est son triomphe. Mais pas trop vite, Nastasia Philipovna. Je pourrais aller chez vous et vous faire honte à mon tour. Osez nous montrer vos meubles, vos tapis, vos lustres. Dites-nous comment vous les avez gagnés. Sophie! Mais j'étais venue pour vous inviter tous chez moi ce soir. J'accepte avec plaisir. Moi, je refuse de mettre les pieds chez vous. Allez-vous-en! Votre présence ici est une injure pour ma mère et pour moi. Tu fais exprès pour m'exaspérer, pour tout rendre impossible. Mais tu es allé trop loin et tu vas t'excuser. Moi? Tout de suite! Tu entends? Ou bien... Jamais! Tu me dégoûtes! Oh tiens! Assez! L'idiot maintenant! Comme vous allez avoir honte. Gagne. Vous n'auriez pas dû. Prince, excusez-le. Tout est arrivé par ma faute. Et vous, n'avez-vous pas honte? Vous n'êtes pas tel que vous venez de le montrer, ce n'est pas possible. Venez ce soir chez moi et vous comprendrez. Madame, retenez ce qu'a dit le prince. Peut-être que votre fille se trompe. Permettez-moi de... Personne ne se dérange pour moi. Il faut que je vous parle. Non. Que répondrez-vous ce soir? Venez, vous le saurez. Dès que vous serez ma femme, je quitterai la maison. Je ne reverrai plus Sophie. Que voulez-vous que ça me fasse? Ce soir, vous direz oui? 9 heures avec votre père. Et le prince, s'il y consent. Comme un cœur. Et sans regarder une seule fois la partition. Figurez-vous, dans mon régiment, j'avais un musicien. Il est 11 heures. Nastasia Philipovna, c'est l'heure que vous avez choisie pour donner votre réponse. Quand le bourreau saisit par les cheveux Madame du Barry pour la placer sous la guillotine, savez-vous ce qu'elle lui demanda? Encore un instant, monsieur le bourreau. Encore un instant, mon général. Quel rapport entre ce drame et votre mariage? Aucun. Ma chère, vos hésitations et vos caprices me font penser... Penser, vous? Oh, mon cher, pendant les 8 années de notre concubinage... Ah, je vous en prie. De notre grand amour, je vous ai vu manger, boire, dormir, ronfler, mais pensez jamais, je le jure. Donne-moi la main. Non, tu es fiévreuse, tu vas dire des sottises. Laisse-moi, laisse-moi. Prince, vous ne buvez pas? Jamais. Et vous, petit gagne, chérie? Comme vous êtes pâle. Vous m'en voulez de cette allusion à notre liaison? Mais vous savez tout, n'est-ce pas? Tout. Et vous pensez qu'avec un viveur comme Totski, il s'est passé des choses souvent, et que votre petite fiancée... Oh, je vous en supplie. Vous ne m'avez pas giflé? Très bien. Vous prenez un mari supportable. Assez, Nastasia! Je connais l'histoire d'une biche. Traquée par des chiens et des hommes à cheval. Elle fuyait depuis des heures, avec la meute et les chasseurs acharnés derrière elle. Soudain, le dieu de la chasse lui apparut et lui dit, à quoi bon épuiser ces braves toutous, ces gentils seigneurs, et leur faire suer sang et eau avant qu'ils te dévorent?
Cesse donc ce jeu cruel. Elle se coucha. Pour cesser de vous faire languir. Avec qui voulez-vous que je me couche? Bien répondu. Il s'agit de votre future belle-fille. Enfin. Patientez encore quelques secondes. Parfion Semyonovitch Rogojin, marchand de farine en gros, des amis. Depuis des semaines, cet homme me poursuit. J'ai pensé qu'il n'était pas trop ce soir pour la vente aux enchères. Rogojin veut bien m'acheter 100 000 roubles. Ils sont là. Si tu en veux plus, je t'en apporterai plus. Commande, j'obéirai. Il n'a pas votre excellente éducation, messieurs, mais il est plus généreux. Rogojin me paie 25 000 roubles de plus que n'en offre Totski pour se débarrasser de moi. Où est mon intérêt? Cher Totski, avez-vous dit votre dernier prix? Vous perdez la raison. Je parle à faire. Pour une fois, il s'agit de ma vie, de ma peau. Une jolie peau, Gagne. Fraîche en été, chaude en hiver. Totski ne te l'a pas dit? Il vaut bien un petit effort supplémentaire. Messieurs, qui dit mieux? Les enchères sont ouvertes. Faire ce qu'on voudra. J'aime cette femme et je l'aurai. Tu l'auras si tu es le plus offrant. Mais tu n'es qu'un marchand et certaines choses t'échappent. Eux me proposent l'honorabilité dans une famille bourgeoise. Un beau-père général, ça représente combien de milliers de roubles? Nastasia Philippovna, permettez-moi de me retirer. Non! La pudeur vous vient trop tard. Pour marier votre fille, c'est vous qui avez mené l'affaire, discuté les détails. Et c'est vous qui faites le délicat maintenant. Sensible aux scrupules de mon ami Totski, je n'ai fait que l'aider à réparer ses torts. Car vous croyez qu'un viol, ça se répare. Le scrupuleux Totski, ce bon parrain envoyé par le ciel pour veiller sur ma jeunesse, a profité de mes 16 ans pour abuser de moi. 8 ans, il m'a traité comme une fille. Mais je suis encore belle. Ça vaut combien? Prince, à votre avis, un viol avec scrupule, ça se paye combien de roubles? Nastasia Philippovna, voulez-vous devenir ma femme? Vous êtes malheureuse, mais vous n'êtes pas coupable. Vous n'avez pas le droit de m'humilier. Je vous offre mon nom, ma fortune aussi. Puis j'ai rendu visite à mon notaire, il m'avait écrit en Suisse. Une tante m'a laissé 2 millions de roubles. J'aime les enfants. J'aime les bêtes. Les biches surtout. Devenez ma femme. N'approchez pas. Cette femme m'appartient. Prince, vous avez eu pitié de moi. Merci. Mais je suis tombée si bas que je ne mérite plus de pitié. Celui-là n'en aura pas pour moi. Mais c'est à lui que j'appartiens parce que c'est lui qui me désire le plus. Assez bien. Attends. Il me reste encore une chose à faire. Gagne, tu aimes l'argent à la folie. Hein? Pour en avoir, tu ferais n'importe quoi. Même m'épouser. Et j'allais te voler. Montre-nous jusqu'où va ta bassesse et ces 100 000 roubles seront à toi. À nous? Je suis une femme perdue. Tout ce qui m'est venu de vous, Totski, je vous le rends. Vos meubles, vos tapis, vos lustres. Et ce paquet, Gagne, il est à toi. Va le chercher. 100 000 roubles. Sainte Vierge Marie. Gagne, les billets vont brûler. Qu'est-ce que tu attends, Gagne? Laissez-moi aller les chercher. Vos gueules! Décide-toi, l'emballage prend feu. Pense à ta mère. Ta vieille mère. Presque paralytique. Tu renonces? Tu valais donc un tout petit peu plus que je n'ai cru. Quelques billets sont roussis, mais tu les as bien gagnés. Ils sont à nous, mon cher petit.
Adieu, prince. Vous êtes le premier homme que j'ai rencontré. Maintenant, Rogojin, emmène-moi vite et loin. Où tu voudras. En route! Gagna, tu pourrais m'aider. Tu m'en as déjà volé combien? Vous y comprenez quelque chose? Une folle, une brute et un simple d'esprit. Regardez-le. Il pleure quand il hérite de 2 millions. Un bon monde. Ah, très bien. Mais seulement fais attention, si tu rates mon dîner de noces, je te coupe la moustache et les oreilles. Ben, regarde, regarde. Ah, il est formidable. Igor, l'escamoteur. Ah, très bien. Lui, c'est Vassili. Demande-lui n'importe quelle chanson, il la connaît. Et Athanase. Aux cartes, aux dés, il connaît tous les jeux. Et lui, c'est Serge. Ne sait que boire, Serge. Depuis combien de temps tu n'as pas dessoulé? Tous ensemble, 5 comme les doigts de la main et toujours d'accord. C'est la bande à Rogojin, à la vôtre. Va nous commander à boire, Serge. Et maintenant, je peux te l'avouer, mais ils étaient tous contre toi. Qu'est-ce qu'ils ont pu inventer pour me faire changer les idées? Et moi, j'en dormais plus, je ne mangeais plus, et ça ne passait pas. C'est toi qu'il me fallait, toi. Ne t'attendris pas, va. Je suis entré dans la bande à Rogojin. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Celui-là. J'ai l'honneur de saluer très humblement la noble compagnie. Et je me présente. Lukian Timofeyevitch Lebediev, chassé de l'administration pour ivrognerie. À la bonne heure, nous préférons les poivrons aux fonctionnaires. Alors je vous invite à contempler en moi quelque chose d'assez rare. L'ivrogne intégrale. J'ai bu la fortune de mes parents, puis la dot de ma femme. J'ai bu son mobilier, j'ai bu le lit conjugal, j'ai vendu les vêtements de mes enfants pour boire. Et c'est un grand mystère. J'ai de plus en plus soif. Approchez-vous avec nous. À votre santé, messieurs, et à la santé de la très noble dame. Merci. Ce soir, dans mon appartement où l'on couche par terre, où l'on s'assied par terre, j'ai vainement cherché encore quelque chose avant. Je n'ai trouvé que ce livre, une très sainte Bible offerte à ma mère le jour de ma naissance. La vendre pour quelques roubles n'est pas offenser ma mère ni offenser Dieu. L'un et l'autre, ils sont dans mon cœur et plein d'indulgence pour leur pauvre fils qui a toujours soif. Qui l'achète, le prix qu'il voudra. Offre-moi cette Bible. Si tu veux. 100 roubles, d'accord? Oh, mon Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'aime les ivrognes, mais ceux qui chantent et ceux qui rient, cela me dégoûte. Il m'a fait peur. Parfionne, regarde. Un couteau dans la Bible.
mes enfants, je suis très ému. Comme je craindrais d'avoir à me séparer de toi, si je ne savais quel homme de cœur un grand amour te lie. En vérité, c'est Dieu... Nikolaï Pavlovitch. Prince, vous présenterez vos compliments après la bénédiction. En vérité, c'est Dieu qui t'a mené... Nikolaï Pavlovitch. À l'étranger, vous avez oublié nos coutumes, prince. C'est l'usage que le père de famille... Nikolaï Pavlovitch, ne mêlez pas Dieu à vos calculs. Il redevient vous. Occupé seulement de vos intérêts, vous ne respectez ni la misère ni la douleur. Mais l'innocence, du moins, épargnez-la. Nikolaï Pavlovitch, il s'agit de votre fille. Regardez ses yeux, regardez son front. Pitié pour elle. Mes chers amis, excusez le prince. Depuis sa maladie, il vit dans un état de grande surexcitation. À l'étranger, où ma maladie m'a retenu 5 ans, j'ai aimé mon pays chaque jour un peu plus. On y parlait de grandes réformes, d'une solidarité qui donnerait une chance de bonheur égale à tous. Ces mots qui font rêver sont sur vos lèvres, mais dans vos cœurs ils n'ont pas d'écho. Avec quelle bonne volonté je me suis mis en route. Et je n'ai rencontré partout qu'hypocrisie, petitesse, insouciance. Vous, et vous, vous tous, savez-vous sur quelle mince couche de glace vous patinez? Quel gouffre est en dessous? Quelle catastrophe vous attend? Prince, il fait trop chaud ici. Venez avec moi. Prenez mon bras. Nous l'avons invité parce qu'il est mon parent. Mais... il ne sait pas ce qu'il dit. Laisse, nos amis ont parfaitement compris. N'est-ce pas, Aglaé? C'est Dieu. C'est Dieu, peut-être, qui... enfin... ah, mes enfants, un père qui vous adore a bien le droit de vous bénir. Encore quelques sacs par homme et vous irez manger. Hé, hey, feignant! Tu te reposes? Est-ce que je te paye pour t'asseoir? J'ai travaillé 7 heures sans m'arrêter. Ben moi aussi. C'est de ton âge. Mais ton père ne m'a jamais parlé comme ça. Je te demande pardon, grand-père. Mais va boire un coup, hein. Dépêche-toi. Machka, tu peux y aller. Et un coup de main pour démarrer. Ah, vous voilà, ben c'est pas trop tôt. Avec la commission. Pour une surprise pour la princesse. Allez, un coup de pompe, Vassili, et vous montez avec moi. Elle est chez toi? Bien sûr. Merci pour l'intention, mais c'est mieux pas. Par discrétion. Ah, vous me faites rire, alors. On vous voit plus, et tous les jours, c'est pour une autre raison. Et Nastasia vous aime bien? On peut pas nous sentir. Oui, vous l'a dit? Non, elle l'a dit à toi. Tu essaies d'arranger ça avec l'espoir qu'elle s'habitue. Une femme dans la bande à Rogojine, c'est impossible. Et pourquoi? Tu verras. On se retrouvera un jour. Un jour? Pas pour demain. On t'attendra. Alors, bonjour au copain. Je monte, elle attend sa surprise. Bête. Devine. Tu me fais mal. Oh, ma princesse est fragile. Comment va-t-elle? Je me fais les cartes sans tricher, tellement je me moque de tout ce qui m'attend. Oh, je m'ennuie. Oh non. Non, trouve autre chose pour me distraire. Ça, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Ouvre.
Encore des diamants. Chaque pierre représente le prix de 1000 sacs de farine. Tu penses et tu parles comme un marchand. Il a fallu pour ça semer beaucoup de blé, et puis le couper. Il a fallu le moudre. Il a fallu le transporter ici et le vendre. Ça représente beaucoup de peine. Mmh. Un sourire, elles sont à toi. Tu me les vends pour un sourire? C'est pas ça, aimer. C'est pas ça, donner. Pour un sourire. Mmh. Pour rien! Mais tiens, tes cadeaux, tes bijoux, voilà ce que j'en fais! Méfie-toi, ces petits cailloux sont durs. Si tu te blessais les pieds, ce serait dommage. Les larmes, à présent. Bon, c'est un numéro que je commence à connaître. Sais-tu seulement pourquoi tu pleures? Les diamants sont trop petits. Un mot. Un seul mot de toi qui me touche. Et je te pardonnerai ce que tu es. Des mots. Toujours des mots, comme le prince. Hein? La bouche en cœur, leur regard vague et des bêlements de moutons malades. Non. Un homme, c'est autre chose. Ah, oh, c'est pas la peine de m'expliquer, je les connais. Alors que me reproches-tu? Ah, ne me touche pas! Lâche-moi! Maintenant, tu vas m'écouter. Je suis un marchand d'accord et tu es beaucoup mieux que moi. Je t'aime, je n'ai pas le choix. Il faut que je te gagne ou bien que je te tue. Quelquefois, l'amour vient dans ses mains. Dans le plaisir, il n'y a plus de princesse, plus de marchand. Et à notre réveil, y penses-tu? Que veux-tu dire? Il y a bien un moment où la raison nous reviendra. Je te demande si ce moment-là ne t'inquiète pas. Comprends-moi bien, je ne te repousse pas. Tu n'instasies avec ses scrupules et ses remords envers la femme de Rogojin. Une bête. Une simple bête comme les autres. C'est ce que je suis peut-être. Dans le même geste, nous cherchons notre paix, tous les deux. Toi dans la vie, moi dans la mort. Ça te fait peur? J'ai plus de courage que toi. Maman. Quoi? Quoi? Tu dis dormais? Qu'est-ce qui peut te faire penser ça? Tu ne parlais pas. Tu sais bien que je ne dors plus jamais. J'ai trop de soucis. Tous ces menus, et ton père, et les chiens qu'il faudrait tondre. Mais mon coiffeur a refusé. Il m'a dit textuellement. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai reçu une lettre. Bien. De qui? Du prince. Pour s'excuser? Très bien. Montre-la-moi. Je l'ai brûlée. Je l'ai reçue avant-hier, je l'ai relue au moins 100 fois. Pour en finir, je l'ai détruite. Mais je n'arrête plus d'y penser. Le prince devrait savoir qu'il n'y a pas à écrire à une jeune fille qui est fiancée. Adélaïde, tu précipites trop le mouvement. Qu'est-ce qu'il te dit dans sa lettre? Aglaé, je n'ai rien à vous raconter, aucune raison de vous écrire. Mais ce matin, il fait si beau que j'aimerais savoir si vous êtes heureuse. Où êtes-vous? Que devenez-vous sous le grand ciel bleu? Je suis votre frère. D'abord, c'est ton cousin. Et puis, je me demande ce que le ciel vient faire là-dedans. Je ne sais pas. Regarde-moi dans les yeux, Aglaé. Tu n'es pas amoureuse de ce simple d'esprit. Tu ne veux pas mettre au monde des enfants dégénérés. Oh, avec ton père et tes sœurs, j'ai déjà bien assez de soucis. Mais personne ne m'aide, moi. Personne ne me demande ce que je fais sous le ciel bleu. Il a de beaux yeux. Je te l'accorde. Et des petits pieds. Je l'ai remarqué. Mais c'est un idiot. Est-ce que tu en doutes encore? Comment?
Comment pouvez-vous vivre dans une maison aussi sombre? Oh, je me lève tard. Je vis surtout la nuit et avec les lumières. Asseyez-vous. Vous allez partir pour la campagne, je crois. Demain, pour Pavlovsk. Où sont les Epanchines, n'est-ce pas? Oui. Avec leur fille. Oui, en effet. Aussi, quand le général Ivolgin m'a dit que vous souhaitiez de me voir... Il vous a prévenu que Rogojin s'y opposait. Oui, dès qu'on parle de vous, il se met en colère. Prenez garde, c'est un violent. Mais rien ne nous oppose. Il est jaloux de n'importe qui. Je voulais vous prévenir, avant de vous remercier. Oui, pour l'autre soir. Oh, l'atmosphère était énervante et tous, nous avons dit beaucoup de sottises. Mais c'est à vous qu'est revenu le pompon. Oui, je suis très maladroit. Comme vous vous êtes trompé sur mon compte. Les femmes de mon espèce doivent toujours jouer la comédie. Je n'ai fait cette grande scène que pour exaspérer Rogojin et tirer d'huile maximum, vous comprenez maintenant? En brûlant les 100 000 roubles, en laissant à Totski tout ce qu'il vous a donné? Prince, il faut savoir risquer pour décrocher les lustres. À jouer la biche traquée, la femme désintéressée. Voulez-vous savoir ce qu'en un mois j'ai su tirer de l'amour de Rogojin? Ces boucles d'oreilles, qui valent des milliers de sacs de farine. Ce bracelet, cette broche, qui représente des hectares de blé. Les bijoux, c'est tout ce que j'aime. Et j'en aurai plus quand je voudrais. Allons, convenez que c'est bien joué. La femme la plus malheureuse que je connaisse. Que vous êtes naïf. Pourtant, vous devez savoir ce que vaut un petit caillou comme ça. Est-ce qu'on en est plein? La plus pauvre femme que je connaisse. La plus pauvre? Mais vous êtes aveugle. Je savais très bien que j'avais clair en vous dès la première seconde. Riez encore plus fort pour mon oreille à tous les mots vous appelez au secours. Je vous entends crier de loin. C'est pour ça que je suis venu. Que dois-je faire? Regardez les animaux blessés comme ils lèchent simplement leurs blessures. Vous portez la vôtre avec orgueil. Vous ne cessez d'y mettre les doigts pour l'approfondir et pour la faire saigner. Que dois-je faire? Pardonnez à ceux qui vous ont fait souffrir. Et vous serez délivré du mal qu'ils vous ont fait. Non, c'est impossible. Pourquoi? Cela dépend de vous seulement. Je suis certain que le pardon efface l'injure et les torts causés. Soyez simple. Redécouvrez le monde. Il est trop tard. Je ne mérite plus un mot de pitié, plus un mot d'espoir. Et à votre place... Ah, c'était toi le visiteur! Je tourne le dos et te voilà! Qu'est-ce que tu fais chez moi? Parfionne! Il t'a dit des mots, hein, des jolis mots. Eh bien, c'est mon tour de m'expliquer avec lui. D'abord! Ne t'emporte pas, c'est moi qui l'ai fait venir. Toi? Oui. Pour en finir avec les idées qui te font mal, regarde. Je lui ai montré tout ce que tu m'as donné. Et je le répète devant toi, tu me rends heureuse et je t'adore. C'est tout ce que j'avais à lui dire. Elle est fière de ses bijoux, hein. Comme les autres. Elles font tout un peu la petite bouche. Elles préféreraient les attentions délicates, mais tout de même. Aux purs esprits de ton genre, elles ne sont pas fâchées de montrer leurs petits cadeaux. Mais toi, pourquoi la poursuis-tu? Je ne suis pas ton rival, tu le sais très bien. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Je veux lui rendre la paix, Parfionne. Et tu crois qu'un marchand de farine est obligatoirement si bête qu'il ne peut pas comprendre que c'est pire que si tu voulais coucher avec elle? Et ça vaut mieux pour toi, je t'assure. Maintenant, je la connais bien, hein. Les autres, elles font tout un peu l'histoire autour du lit, mais il vient un moment où tu les trouves, elles pas, jamais. Tu la serres fort, tu crois la tenir, c'est parti, escamotée. Et c'est à cause de toi. Et tu oses la relancer chez moi, tu viens me braver dans ma maison. Quelle haine il y a dans tes yeux. Oh, je ne sais plus. Même à mon meilleur ami, je ne raconterai pas tout ça. Et toi, tu saisis peut-être? En venant chez toi, j'espérais te voir. Je te comprends très bien, tu sais. Je t'aime aussi. Doucement. Avant de t'attendrir, tu dois savoir qu'il y a des moments, souvent, où je pense à te tuer. Oui, je l'ai senti. Tu es venu quand même? Pour te montrer que c'est une idée qui te ronge, mais une idée seulement. Tu
Il ne le fera pas. Tu crois? Tu vois ce couteau? Je le prends si souvent. J'imagine. Non, je ne veux pas, bonhomme, touche pas à vous, va-t'en! Où tu as enlevé Nastasia. Je me suis senti seul à la pension et je me suis perdu dans les rues. C'était la première nuit de mon retour en Russie. J'ai rencontré un soldat ivre qui m'a offert une croix d'argent pour 20 kopecks. La croix était en plomb et ne valait pas ce prix. J'ai dit oui quand même et j'ai passé le ruban autour de mon cou. L'ivrogne, ravi de m'avoir volé, a couru au cabaret boire son argent. Ça m'a fait mal. Et en continuant ma route, j'ai rencontré une femme très pauvre qui serrait un bébé dans ses bras. L'enfant venait de lui sourire pour la première fois. J'ai vu cette paysanne qui se signait tout d'un coup. Alors je lui ai demandé pourquoi et... cette femme, si simple, comme il y en a chez nous des millions, m'a répondu « La joie qu'éprouve une mère devant le sourire de son enfant est la même que celle de Dieu, chaque fois qu'il entend un pécheur prier du fond du cœur. » Cette émotion de Dieu devant sa créature, c'est la pensée du Christ. Parfion. Dieu te regarde. Tu peux lui percer le cœur comme a fait ce soldat ou tu peux lui faire plaisir. J'étais venu pour t'apporter la paix, mais je n'en reviendrai plus. Adieu. Attends. Croix, tu l'as sur toi? Toujours. Montre-la moi. Tu veux me la donner? Oui. Tu me donneras la tienne en échange? Oui. Nous serons frères. Désormais, ce ne sera plus possible que je pense encore à te tuer. Merci. Et je pourrais dire à Anastasia que nous sommes amis maintenant. Mais c'est la vérité. Mais va-t'en. Tu es mon frère, mais c'est mieux que tu ne m'en demandes pas trop, va-t'en. Anastasia! C'est le coucou au mur. Oui, je vais vous le confier en attendant de faire prendre mes petites affaires. C'est un grand plaisir pour moi de vous rendre service. D'autant que j'aurais voulu vous demander, pour un ancien soldat qui a perdu une jambe au service de la patrie. J'ai laissé une enveloppe où tout est prévu. À Pavlos que je vous enverrai mon adresse. Jamais je n'oublierai cette chambre. Prince, ce fut pour nous un grand honneur. Et merci pour le secours que vous me permettrez d'apporter
à mon pauvre cul-de-jambe. Ah, non, attention, votre soldat n'a perdu qu'une jambe au service de la patrie. Pas ainsi, il avait déjà perdu l'autre au service du tsar. Vos bons soins ne lui rendront une et l'autre, j'en suis sûr. Adieu. Cherche à te saluer. Il y a 20 ans que nous nous détestons. Quelle tenace hypocrisie. Vladimir Petrovitch, aimez-vous la musique militaire? À vrai dire. Je l'adore. C'est la seule musique qui me réjouit. J'aime ce qui remue, ce qui est sonore, ce qui a du goût. Comment expliquez-vous que mes filles me ressemblent si peu? Elles tiennent peut-être du général. Du général. Évidemment, ce n'est pas impossible. Aglaé, mon enfant, à quoi penses-tu? J'admire une femme qui est bien jolie. Vous ne la trouvez pas charmante, Vladimir Petrovitch? Ma chère Aglaé, quand je suis près de vous. En la saluant, vous me respecterez plus qu'en pouvant ne pas la voir. Aglaé, ton geste ne m'a pas déplu. Au contraire. Mais c'est ton père qui sera furieux. Et pour une fois, ton père aura raison. Je suis venu me reposer ici. Pavlovsk était un endroit très agréable.
Et elle, elle est ravissante. De qui parlez-vous? Prince, quand le général Ivolgin m'a raconté la cérémonie des fiançailles et votre intervention, j'ai compris tout de suite. Avant vous, avant elle. Et je ne suis venue ici que pour vous prouver ma reconnaissance. Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Aujourd'hui, c'est mon tour de voir clair en vous. Vous êtes le plus malheureux des hommes. Quoi? Oui, et le plus pauvre. Vous seriez tout cela si je n'étais pas venue. Prince, laissez-moi faire votre bonheur. J'étais encore fiévreuse, Nastasia. Oh, ça n'a plus d'importance maintenant. Non, non, ne cherchez pas à me revoir, ce n'est pas moi qui compte, c'est elle. Elle est là, elle vous attend. Allez la rejoindre, allez. Elle n'épousera pas Totski. De vous voir en bonne santé. Mais jurez-moi que la musique militaire ne vous énerve pas. Vous m'en voulez encore, madame? Pas du tout. Mais Totski, quel scandale pendant ses fiançailles. Un homme si complaisant. Il est allé promener mes chiens. Est-ce que je puis m'asseoir auprès de vous? Qu'avez-vous fait depuis si longtemps? Ma lettre ne vous l'a pas fait deviner. Et qu'êtes-vous devenu sous le grand ciel bleu? Vous le savez. Le matin, très tôt, il n'y a personne dans le parc. Je vais m'asseoir sur le banc. Vous voyez, là-bas au fond? Demain matin, très tôt, je vous y attendrai. Tout de même à cause de lui. Tu ne comprendras jamais rien. D'accord. Mais une chose est changée. Je ne cherche plus à comprendre. Habille-toi, tu rentres avec moi. Non. J'ai des choses à faire ici. Oui, j'ai vu. Ah, tu peux te plaindre de la bande à Rogojine. S'il avait été là, c'est sûr qu'il t'aurait fait encore une fois de devenir princesse. Oh. Et surtout, ne cherche pas à m'expliquer. Non, assez de discussions où je deviens fou.
Il nous a tous rendus malades. Ah, ce qu'il vaut, je n'en sais rien, peut-être une canaille, peut-être un ange, mais ça m'est égal, moi. Je suis comme un cheval qui a des œillères, je vois juste devant moi. Je fais un pas, il y a encore un pas sur le terrain que je connais bien. On ne mourra plus dans les chemins de traverse. Si tu fais autrement, tu sais ce qui t'arrivera? Je sais. Non, tu ne crois pas que c'est mieux de t'habiller et de rentrer gentiment? Je suis malade, c'est vrai. Je dois faire ma maladie jusqu'au bout avant de savoir si je guérirai. La colère m'a pris quand je vous ai vu. Mais je ne t'en veux pas tellement. Écoute, c'est un grand effort que je fais pour t'expliquer une dernière fois. Tu as eu des histoires et des malheurs. Et ça t'a frappé qu'il te propose comme ça de but en blanc de devenir sa femme, mais souviens-toi. Moi aussi, quand je t'ai vu, je n'ai plus voulu que toi. Lui et moi, on est pareil. Mais je t'ai accepté comme tu étais, avec tous tes malheurs. Et si tu veux qu'on se marie, je ne demande pas mieux. Toi, tu m'as acheté. Mais c'est toi qui l'as voulu. Tu me dis toujours que je suis un marchand, mais tu sais ce qu'il représente. L'argent pour un marchand. Je t'ai donné le mien à brûler. Mais tu en veux plus à mettre au feu. Mais je ne tiens qu'à toi. Tu ne m'avais jamais parlé comme ça. J'ai peut-être changé. Oui. Depuis que tu le connais. Tu veux m'exaspérer ? Non ! Ce qu'il m'a mis dans la tête, c'est autre chose. Jamais je n'aurais pensé que je pouvais tuer un homme. Bien maintenant, c'est comme une obsession. Dès qu'on me résiste. Toi, lui, n'importe qui. C'est son pouvoir. Nous placer toujours entre le meilleur et le pire. En nous obligeant à choisir. Et tu as choisi? C'est long. C'est difficile. Mais moi, j'ai choisi. La brigue avec les militaires. Je ne discute plus. Ou bien tu me suis, on se marie et nous vivons comme tout le monde. Ou bien... Partir, je t'épouserai. C'est vrai? Attends. Le jour où il épousera Aglaé. Oh, de nouveau, les complications. Mais non, je n'ai pour ça qu'une chose à faire, une chose à dire. Un seul mot. Non, non, ne me pose pas de questions, laisse-moi partir. Mais si tu te moques de moi, si tu vas le rejoindre. Fais-moi confiance. Je t'attends ici. Dans une heure, je serai de retour. L'emmène avec toi ou tu viens avec nous? Je ne sais pas. Les journaux étrangers quand le prince est fait annoncer. Démarche qui dénote un bon sentiment. Attendez, je vais à sa rencontre, tout disposé à faire la paix avec lui. Quand il me dit exactement, Vladimir Petrovitch, je suis venu pour vous répéter que je n'ai aucune sympathie pour vous. C'est plus fort que moi, je tenais à vous en avertir moi-même. À ma place, qu'auriez-vous répondu? Moi, j'aurais répondu, deux et deux font quatre. Ou vous êtes venu pour m'insulter et nous allons nous battre coupables, ou vous savez ce que vous dites, et alors vos propos sont nuls et non avenus. Non. Alors, j'ai répondu d'une façon assez drôle, me semble-t-il. Mon cher prince,
Autant de ma part. C'est d'un spirituel étourdissant, d'un à propos qui confond, d'une verve sans égale. Bon, mes enfants, ne soyez pas si nerveuses. Excusez-les, mon cher. Il y a de l'orage dans l'air. J'aimerais vous dire un mot. Ah, cela devient un jeu qui ne me plaît pas beaucoup. Il s'agit d'une affaire importante qui vous concerne directement. Je dîne avec des amis. Je vous prie de m'excuser, madame. Vous avez toujours été si généreux pour moi que je suis intervenu en votre faveur. Je vous prie de me laisser tranquille, une fois pour toutes. Cher Totski, mais il s'agit de vos intérêts. Me permettez-vous de parler devant vos amis? Aglaé, c'est toi qui avais tort au concert. Tu vois les conséquences. Adélaïde, rassieds-toi. Ça n'est pas à nous à céder le pas. Alexandra, mange. Cette musique est adorable. Vous ne trouvez pas? Un peu de vin, cher ami. Vladimir Petrovitch, je voulais vous dire de ne plus vous inquiéter. Reprenez donc du poisson. Oui, très volontiers. Reprenez du poisson et ne tremblez plus pour vos traîtres. Rogojine les a rachetés. Il vous laissera des délais. Mais quel trait ? Calomnie sans importance. De quoi parlez-vous ? Je n'ai pas de traite en circulation. Vous n'en avez plus depuis 2 heures. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Bonsoir. Si vous ne m'aviez pas retenu, je l'aurais sifflé. Cravaché ! Vous devriez interdire à ces femmes l'entrée du restaurant. Mais de quel trait est-il question ? Pardonnez-moi si je vous ai blessé. Vous êtes belle. Vous êtes pure. Vous êtes pour moi la perfection. Et ce n'est pas à vous que j'en veux, au contraire. Dieu me garde de juger personne. J'ai trop peu d'expérience. Ce n'est pas pour mon bonheur que la vie m'en a donné beaucoup, un peu trop tôt. Si elle pouvait vous servir, j'en serais heureuse. J'ai des parents pour me donner des conseils. Ils vous fiancent à quelqu'un que vous n'aimez pas, qui ne vous mérite pas. Ils le savent, mais ils l'ont fait quand même. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Personne n'entend jamais le pauvre dernier mot des jeunes filles bien élevées. Mais vous m'avez plu et je suis venue à votre secours. En causant un scandale inutile? Il n'aurait servi à rien si j'avais crié devant tout le monde le mal que cet homme m'a fait. Personne ne s'en serait ému. Personne n'aurait osé refuser sa main à Vladimir Petrovitch. Mais une petite phrase de rien du tout fera que demain, même ses meilleurs amis s'écarteront de lui. Que vos parents hésiteront à lui donner leur fille. Je vous ai rendu votre liberté, profitez-en. Qu'est-ce que c'est exactement une traite? Une sorte d'emprunt. Alors, Vladimir Petrovitch ne serait pas riche? Oh, il est peut-être un peu gêné dans ses affaires, mais il m'a donné sa parole d'honneur que l'histoire était inventée de toutes pièces. Attention, tu vas donner ta fille à un homme qui a des ennuis d'argent. Moi vivante, le sort de mes enfants ne se réglera pas sur un coup de dé. D'ailleurs, Aglaé ne l'aime pas. Et moi, je le trouve stupide. Depuis qu'il y a des traites. Il a quelque chose de faux dans le regard. Et il a les pieds plats. Tu le savais? Naturellement, je le savais. Mais quand les malheurs arrivent aux autres, on est plus indulgent. Il me déplaît, souverainement. Depuis qu'il y a des traites. Oh, tu m'agaces avec tes cigarettes. Non seulement Aglaé ne l'aime pas, mais il en aime un autre. Qui? Le prince. Idiot? C'est un jeu? Vous dormez vraiment? Prince. Prince. Oh.
Je m'étais endormie. J'ai eu si peur d'être en retard que je suis arrivée quand il faisait encore nuit. J'ai vu le jour se lever. Saviez-vous qu'au petit jour les arbres prient? J'ai senti pour la première fois de ma vie. Et vous dormiez? Je viens en cachette, le cœur battant. Quand vous m'attendiez mal. Je dormais, c'est la vérité, mais y a-t-il une manière plus confiante de vous attendre? Comment se fait-il que pour vous tout soit toujours si simple? Pour les autres, si compliqué. Pour vous aussi? Prince, il n'est pas facile d'être une jeune fille bien élevée. On les prend pour des sottes chez elles et au dehors. On les croit sans passion parce qu'elles se taisent. Sans volonté parce qu'elles obéissent. Je ne veux pas être la fille d'un général. Je ne serai jamais ce que mon père a décidé. Quand il a pris l'icône pour me bénir avec Totski, j'attendais que le ciel devienne tout noir. Que la foudre tombe. J'ai entendu votre voix. Depuis ce moment, je vous attends. Je sais. Répondez-moi d'un mot. Est-ce que vous m'aimez? Oui. Saviez-vous que je vous aime? Oui. J'aurais tellement voulu vous dire. Prenez-moi par la main et emmenez-moi où vous voulez. C'est ainsi que tout devrait se passer entre nous. Prince, ce n'est pas ma faute. Il faut d'abord que vous me conduisiez chez elle. Chez elle? Je veux la voir avec vous. Je n'ai que deux mois à lui dire. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Elle vous aime, je le sais. Et vous? Comment vous expliquer? Je donnerai ma vie pour lui rendre la paix de l'âme. Mais je n'ai pas d'amour pour elle. Allons, conduisez-moi chez elle tout de suite. Vous devinez sûrement la raison de ma visite. Non. Je suis venue avec le prince vous annoncer nos fiançailles. Je vous félicite. Merci, mais je tenais aussi à dissiper un malentendu. Oui, vous avez cru hier soir me rendre un grand service. Ce n'est pas exact. Vous vous êtes imaginé qu'en interpellant Totski, vous accomplissiez une action d'éclat. Ce n'est pas vrai. Mon bonheur, je l'aurais fait sans vous. Ne soyez pas présomptueuse. Ni le prince ni moi, nous ne réclamions votre aide. Je ne vous dois rien. Ne soyez pas ingrate. Mon bonheur est immense. Ne saviez-vous pas que je préférais le perdre que de vous en devoir quelque chose? Il s'en trouverait souillé. Que savez-vous de moi pour vous permettre de me juger? Toute votre vie, tous vos malheurs. Un amant vous a quitté, quelle catastrophe en vérité. Mais à votre place, pour me débarrasser d'un Totski, je serais devenue femme de ménage, balayeuse, n'importe quoi. Et pour faire une fin, j'aurais trouvé mieux que celui-là. J'ai trouvé mieux, figurez-vous. Un prince. Mais je n'en ai pas voulu pour qu'une petite sotte en profite. Le prince ne vous aime pas, il me l'a dit. Je vous ai prise pour un ange. Avant d'élever la voix, souffrez une heure, une minute seulement. Vous changerez de ton après. Surtout, ne vous croyez pas trop forte. Si vous avez tenu à me montrer votre victoire, c'est que vous êtes inquiète. Moi? Oui. Affreusement jalouse d'une chose qui vous échappe. Entre le prince et moi, que s'est-il passé? Rien. Rien. Pas un rendez-vous, pas un baiser. Mais quelque chose qui vous fait trembler au point que vous êtes venu chez moi pour savoir laquelle de nous deux il préfère. Le prince voué. Ma petite demoiselle, je vous croyais plus intelligente. Si j'accepte d'épouser celui-là, c'est pour libérer le prince de sa promesse. Et si je changeais d'avis? Ah, tu as voulu te venger et m'humilier avant de filer bras dessous avec ton héros. Veux-tu que je dise à Rogojine, va-t'en, c'est fini, retourne à tes copains? Veux-tu que je dise au prince un mot, un seul mot, pour que tu rentres chez toi toute seule en pleurant? Écoute-moi bien. Tu vas reconnaître sincèrement que je fais votre bonheur à tous les deux. Que je le paie d'un prix terrible. Ou bien prends garde. Tu hésites? Tu tiens ce que je lui dise de tenir sa promesse? Prince, c'est à vous de lui répondre. Eh bien, qu'attendez-vous?
Je ne peux pas, Aglaé. Elle est si malheureuse. Vous ne me reverrez jamais. Aglaé! Laisse-la partir, laisse-la, c'est elle qui l'a voulu. Oh, sauvez-moi maintenant, je veux guérir. Ne me quittez pas, ne me quittez surtout oui, pas. Oui, je resterai, oui. Je resterai tant qu'il le faudra. Vous m'épouserez ici, devant tous ceux qui m'ont humiliée, et je serai en blanc. Si, si, j'oserai. Les cloches sonneront comme pour tous les mariages, et je serai en blanc comme les autres. Vous voulez bien? Vous voulez bien? Mais oui, je vous l'ai promis. Je pensais que le rouge était votre couleur. Le rouge et le noir. Le blanc aussi. En essayant cette robe tout à l'heure, j'ai revu dans la glace la petite fille qu'on venait à l'église la veille de Pâques. Pauvre petite fille. On l'a trompée, on l'a salie, elle est tombée si bas qu'elle a perdu l'espérance. Et vous êtes venue. Regardez comme je me sens bien, calme. Posez votre main sur mon épaule. Totski m'a prise de force. Pendant 8 ans, chaque fois qu'il m'approchait, j'aurais voulu crier. Rogojin, j'étais sa chose. Savez-vous qu'il m'aurait tué? Votre main à vous est légère. Pourquoi ne m'embrassez-vous pas? Parce que vous serez ma femme. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Je marchais sur une plage. J'ai senti quelqu'un à côté de moi, j'ai tourné la tête, j'ai vu un ange. Il était si éclatant de blancheur que je suis tombée à genoux, cachant ma tête dans le sable. J'étais aveuglée, je pleurais de joie. Mais quand j'ai voulu le revoir, encore une fois, il avait disparu. Et à sa place, j'ai vu un petit homme en redingote râpé, avec un gros livre sous le bras. Il a avancé vers moi, un bras qui devenait toujours plus long, et il m'a frappée. Large. Croyez-vous que nous rêvons un sens? Peut-être. Un sens qui nous échappe. Où me conduirez-vous quand nous serons mariés? Je voudrais une petite maison en Crimée, au bord de la mer Noire. Une petite maison avec une grande terrasse. À quoi penses-tu? Je vous écoutais. Non, tu étais loin. Tu es le seul être au monde qui ne sache pas mentir. Fais-moi plaisir. Dis-moi à quoi pense un homme quand il dit qu'il ne pense à rien. Je pensais à Aglaé. C'est une question que je ne vous poserai plus. En vérité, je vous écoutais attentivement. Non, si j'ai pensé à Aglaé, c'était surtout à cause de votre robe, elle était toujours en blanc. Nastasia, je ne vous ai pas froissé au moins. Nastasia, dis-moi que tu ne m'en veux pas. Nastasia. Thank you.
Pourquoi les hommes sont pauvres? Pourquoi l'enfant est pauvre? Pourquoi les champs sont nus? Pourquoi tous ces gens ne s'embrassent pas, ne chantent pas des chants de joie? Pourquoi leurs visages sont si sombres? Pourquoi ne donne-t-on rien à l'enfant? Ha, 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 ha